Donc aujourd'hui, on va faire deux problèmes. Deux problèmes dans le cahier, d'accord? Mais avant, on va faire deux exemples, d'accord? Pour vous rappeler un petit peu le principe. Deux exemples qui sont différents parce qu'on peut avoir deux solutions. Soit on cherche ce qu'il y a en tout, soit on cherche une partie. On va faire un exemple de chaque, d'accord? Donc, le premier problème que je vous propose, donc vous ne faites rien dans le cahier, mais par contre, vous pouvez prendre une ardoise ou une feuille, tracer des boîtes comme moi et essayer de résoudre le problème avant que je dise la réponse, d'accord? Premier problème ici, dans mon jardin, j'ai 17 rosiers en tout. Déjà, on peut essayer de savoir, à la première phrase, où est-ce que je vais écrire ce 17? Là, c'est facile, j'ai dit, dans mon jardin, j'ai 17 rosiers en tout. En tout. Ça veut dire que 17, c'est le plus grand nombre. Donc, je peux déjà marquer 17 en haut. Et donc, à mon avis, on va devoir chercher une partie. On continue. Dans mon jardin, j'ai 17 rosiers en tout. Et sur ces 17 rosiers, il y en a 6 qui sont déjà fleuris. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie qui est déjà fleurie. Il y en a 6 qui sont déjà fleuris. D'accord? Combien de rosiers ne sont-ils pas encore fleuris? Donc, on cherche une partie. Alors, quand on cherche une partie, je vous rappelle qu'on a deux solutions. Soit on fait une soustraction. On prend les 17 rosiers et on enlève les 6 qui sont déjà fleuris. On les enlève ceux-là. Nous, on cherche les autres. Donc, si je fais 17 moins 6, alors je peux vous laisser calculer. Vous pouvez faire des jetons et puis faire 17 jetons et en barrer 6. Attention, donc 17 moins 6, ça fait 11. Très bien. Donc, on peut mettre 11 ici. Et puis, autrement, on peut faire, j'ai 6, je veux aller jusqu'à 17. Combien je vais devoir rajouter? Alors, 6 et je dois aller jusqu'à 17. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et encore 1, 17. 11, ok. C'est bien ça. Donc, vous avez écrit l'égalité. Si vous voulez, en dessous, vous pouvez dessiner les cubes. Donc, on sait qu'il y a 17 rosiers. Alors, je vais faire mes 17. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Je sais qu'il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6 ici qui sont fleuris. Là, j'ai mes 17 rosiers. Et moi, ce que je cherche, ben, c'est ceux qui ne sont pas fleuris. C'est ça que je cherche. Alors, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, j'en ai bien 11. La phrase réponse, c'est 11 rosiers ne sont pas encore fleuris. 11 rosiers ne sont pas encore fleuris. Très bien. Alors, ça, c'était le premier exemple. On va faire le deuxième. D'accord? Donc là, on cherchait une partie. Une partie, on connaissait ce qu'il y avait en tout, mais on ne savait pas une partie. Et donc, c'est ce qu'on cherchait. Deuxième exemple. Après la pluie, Maxime a ramassé 12 escargots. Alors, on ne sait pas si c'est en tout ou pas. Donc, on continue. Donc, Maxime a ramassé 12 escargots et sa sœur en a ramassé 7. Question. On va nous aider avec la. On va s'aider avec la question. Combien ont-ils d'escargots en tout? Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on cherche une partie ou est-ce que l'on cherche en tout? Ah oui, dans la question, combien en ont-ils en tout? Ça veut dire que c'est ça ce que l'on cherche. Et je redis le problème pour maintenant écrire les nombres. Après la pluie, Maxime a ramassé 12 escargots et sa sœur en a ramassé 7. Alors là, pas beaucoup d'égalité possible. Il faut faire une addition parce que je veux savoir combien il y en a en tout. Donc, une seule égalité possible, c'est 12 plus 7 et on doit chercher combien ça fait. Je mets 12 dans ma tête, je rajoute 7. Et j'y vais. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
D'accord? Ou je me dis. Non, je me dis rien. J'allais faire le complément, mais ça ne sert à rien puisqu'on ne dépasse pas la dizaine. Alors, attention, après, vous pouvez faire éventuellement le dessin. Donc là, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ce sont les 12 escargots de Maxime. Puis les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les 7 escargots de sa sœur. Et nous, ce qu'on cherchait, c'était le total. Et après, il faut écrire la phrase réponse. Ils ont 19 escargots en tout. D'accord? Alors donc, vous allez faire deux problèmes. Pas ceux-là, hein? Et il y aura peut-être les deux exemples. Un exemple où on cherche une partie, un exemple où on cherche en tout. Vous êtes prêts? Très bien. Alors attention, je vais vous les dire. Alors, donc, c'est parti. Dans un panier, il y a 13 poires et 5 pommes. Combien y a-t-il de fruits en tout? Donc vous devez réfléchir et savoir qu'est-ce que l'on cherche. Est-ce que l'on cherche une partie ou est-ce que l'on cherche le total? Une partie, le total. Attention, dans un panier, il y a 13 poires et 5 pommes. Combien y a-t-il de fruits en tout? Je vous laisse réfléchir. Deuxième problème, celui qui se trouve à droite. Dans une trousse, j'ai 12 crayons en tout. J'ai 12 crayons en tout. J'en ai 7 rouges et les autres sont verts. Combien y a-t-il de crayons verts? Je répète, dans une trousse, j'ai 12 crayons en tout. J'en ai 7 rouges et les autres sont verts. Combien y a-t-il de crayons verts? Je vous laisse faire les deux problèmes et puis vous m'envoyez comme d'habitude la petite photo.